Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nos derniers écouteurs par conduction osseuse de la marque Lenovo. Après les X3, les X3 Pro et les X4, je vous propose les X5 qui sont les plus chers de la gamme puisqu'on a commencé à 13€, vous avez vu. Et là, on arrive à un prix de 42€. C'est pas mal. Est-ce que c'est le top du top de la crème? Eh bien, on verra qu'ils sont vachement mieux. Mais pas trop. Allez, parce que moi, les produits en photo, c'est bien, mais en vidéo, bah, forcément, c'est mieux. Bah, débridez-vous et découvrez tous nos sites tech bah, ou smartphones. Bon, une des promesses faites par Lenovo, c'est vous proposer des écouteurs à conduction osseuse. Donc, ça veut dire que tu vas mettre directement sur le tympan ici et via la vibration, tu vas entendre le son. Presque à feu et à sang. Entendre le son et laisser ton oreille ouverte pour entendre ce qui se passe un peu autour en ayant la possibilité d'avoir soit de la musique, soit des informations GPS. Alors, le casque, il est plutôt trop simple, en fait. C'est un peu le détail, c'est que, voilà, il est fait comme ça, il est monobloc et on a simplement juste un petit bouton ici, voilà, qui permettra... Alors là, je viens d'appuyer dessus, donc forcément, ça allume la musique. Voilà, on appuie dessus. Voilà, ok. Voilà. Donc, un simple bouton, un clic, double clic, triple clic, nananana, c'est pas mal. Et une des particularités qu'on peut voir de ces écouteurs, c'est que bah, ils sont monobloc et il n'y a pas de... Il n'y a pas de connectique, en fait. Il n'y a pas de USB type C, de micro USB et tout. Il y a un petit cache en plastique ici qu'on pourra mettre par-dessus pour cacher un peu, vous voyez, ces quatre points de contact, puisque tu auras compris un peu le délire tout de suite. Ici, on a la marque Lenovo, ok. Et on aura un chargeur qui n'est pas un chargeur par induction, bien évidemment, mais qui est bien un chargeur magnétique que tu vas pouvoir mettre directement dessus. Alors, je ne l'ai pas encore fait, hein, mais pourquoi ça se clipse plus? Alors, le bouton power, il est en haut comme ça. Et j'aurais tendance à dire, ah ouais, voilà. Là, il est aimanté, oh, très... Voilà, très très peu, et ça permettra en fait bah, pour vous de charger l'appareil et surtout de transférer les données, puisque l'une des particularités de ce casque Lenovo, c'est que un, il est IPX8. Alors attention, c'est pas fait pour aller sous l'eau, mais par exemple, si tu veux aller dans la piscine et que forcément tu as la tête un peu hors de l'eau, contre les projections comme ça et les petites immersions, encore une fois, on va dire que le casque va résister, mais c'est pas fait pour aller téléphoner aux dauphins, parce que là tu te dis ça y est, j'ai de l'induction, je pourrais téléphoner aux dauphins. Non, c'est pas encore. Voilà. Et la possibilité, encore une fois, alors non seulement il est IPX8, alors ça tu te dis, oh, c'est trop génial, mais surtout de mettre de la musique dedans, puisqu'il intègre 8 gigas de mémoire. Et que bah, forcément, la mémoire, il faut bien la faire rentrer. Oh oui. Et tu vas la faire rentrer directement via les connecteurs. Il te suffit d'avoir un plus, un moins. Tu mets le magnète dessus, tu mets sur ton ordinateur et tu transfères dans la mémoire en interne. Ça veut dire qu'on aura non seulement un écouteur Bluetooth, Bluetooth 5, machin, étanche, hein, résistant, vraiment résistant à l'eau, capable de nager un petit peu avec, mais en plus, on aura besoin d'écouter du MP3. Puisque le problème, c'est que si tu vas nager dans la piscine, nanana, tu dis, ouais, mais mon téléphone, je peux pas l'emmener avec moi, ou le téléphone va être trop loin. Là, l'intérêt, c'est que comme il y a la musique dedans, tu pourras écouter 8 gigas de MP3 pourri, je veux dire, tu vas pouvoir en écouter pendant un petit moment. Et là, tu pourras nager, faire ton sport et tout, partir tranquille, et... C'est vrai que c'est quand même un petit peu la grosse innovation du délire. IPX8 N, alors waterproof and sweatproof. Waterproof, normalement, c'est 68, normalement. Ah, et encore, les Chinois, c'est 68 pendant 1m50, pendant 30 minutes. Donc, bon, je pas, voilà, pas trop dans l'eau quand même. Eux, ils disent que oui, moi, je dirais que non. IPX8 waterproof. Voilà, à raison garder, hein, c'est pas fait pour de la plongée sous-marine. Pas dans l'oreille et tout, donc là il est sur le tympan, on l'a vu, c'est un peu l'intérêt de la technologie, c'est que... Vous allez le mettre... Ah, en fait, le bouton power, il est vachement sensible, puisque vous voyez, dès que je le remets, hop, il s'était mis en lecture. Vous voyez, on met comme ça et tout dessus, donc on met directement sur le tympan. Alors, il faut vraiment trouver la position, hein, parce que si vous ne mettez pas au bon endroit, le son est relativement mauvais. Déjà, le son, il est pas très bon. Si on peut le mettre au même endroit, de dire pour moi, c'est pas terrible ton truc. Hein. Voilà. Donc, HD Conduction Technologie, encore une fois. Alors, bon, on va pas se mentir. Le problème et l'avantage de la conduction osseuse, c'est que ça nécessite une technologie. Encore une fois, on voit que toutes les marques n'ont pas la même technologie. On n'a pas du tout le même son. L'avantage de Lenovo, c'est que bah, du coup, ils ont une technologie qu'eux, ils estiment correcte. Donc, ils la mettent sur toute leur gamme. Et vous aurez compris, bah, l'inconvénient, c'est qu'ils ont une technologie et qu'ils la mettent sur toute leur gamme. C'est-à-dire que le X3 Pro, le X4 et le X5, c'est la même technologie. Donc, c'est le même son dégueulasse. Non, pas vraiment. Le son n'est pas terrible, encore une fois, pour de la Hi-Fi. ENC, réduction d'appel, voilà. Bon, Bluetooth 5, OK. Et vient avec 8 gigas de mémoire, qui sera un peu l'avantage. Pour revenir un peu au niveau du son. Bon, quand on le met comme ça,
Si on le met au bon endroit, bien sur le tympan et non pas sur l'oreille, encore une fois, on a un médium qui est pas mal, mais encore une fois, qui est un petit peu caverneux. On sent qu'il y a un... Alors, soit c'est parce que ma tête est creuse et que ça fait de l'écho, et peut-être qu'avec toi, qui est super intelligent, du coup, ça le fera pas, mais bon, pour moi, il y a un peu d'écho. Alors qu'avec les autres, il n'y a pas. ceux qui valent 100 balles ou 200 balles. On le met comme ça, il y a un petit peu, il y a un son qui est un peu sourd. Il faut vraiment trouver l'emplacement pour essayer de dire, ah, là, c'est le juste milieu où il est bien positionné sur le tympan et pas trop sur l'oreille, et on a un son sympathique, on a un médium qui est assez large, encore une fois, qui descend un petit peu, mais pas trop, et qui monte un peu dans les hauts médiums, pas vraiment dans les aigus, mais qui est relativement sympa. Par contre, les basses sont les mêmes que sur le X3 Pro ou le X4, elles sont dégueulasses. Alors que tu as des petites basses secs qui font clac, 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 si tu écoutes un peu du rap et que tu aimes bien les basses un peu sourdes et un peu lourdes, bah forcément, tu vas être un peu déçu. Moi, je ferais R&B, rap, machin, truc. Bon, bah, voilà, c'est de gigono. Bah, du coup, ça fait des petits clac, clac comme ça et tout. C'est sympa, encore une fois, mais c'est pas, on est pas sur de la haute fidélité ni de la hi-fi. Les 8 gigas te permettront de mettre de la musique dedans pour partir. Alors ça peut être bien, hein, du coup, pour faire du vélo ou pour partir, tu dis voilà, mon smartphone, j'en ai pas besoin, ou je peux le mettre dans un sac à dos ou n'importe quoi. J'ai de la musique, je peux écouter et tout, ce qui est souvent un peu l'inconvénient de quand tu vas courir, faut courir avec le casque et faut courir avec le téléphone. Et des fois, t'auras envie de te dire, le téléphone, je le mets soit dans un sac à dos ou soit je le mets ailleurs et on n'en parle plus. Donc, jusqu'à 1500 musiques en MP3, bien compressées, bien... J'ai pas dit bien dégueulasse. Voilà, bien compressé. Bon, MP3, déjà le son, il est pas ouf. En plus, compressé en MP3, tu comprends que on perd vraiment sur toute la longueur. Low latency, tu veux. Voilà, hein, je vois pas l'intérêt sur ce casque-là. La réduction en appel, bon, moi j'ai fait des appels avec, on m'a pas dit que c'était ni incroyable ni exceptionnel. Audio HD et tout, voilà, tout ça. Bon, vraiment, un des gros intérêts, c'est que, un, ils sont IPX8, encore une fois, donc résistant à l'eau, la transpiration, tu peux nager avec, éventuellement tu peux les immerger. Moi je ferai pas ça trop longtemps parce qu'il y a quand même un micro et tout, tout ça. Je sais pas comment ils ont fait leur délire, mais enfin bon, voilà. Ils sont relativement stylés, le bouton One Touch fonctionne plutôt bien, l'autonomie elle est démentielle puisque comme tout est intégré dedans machin et qu'ils ont pu mettre une batterie plutôt conséquente jusqu'à 12 heures d'autonomie, c'est vraiment pas mal. 135 mAh et tout, 30 minutes de charge pour 80%, c'est-à-dire que si t'as oublié. Là, la conduction osseuse, donc c'est la même technologie que sur le X3 Pro, le X4 et le X5, hein, aucune différence au niveau du son, hein, et ce qui paraît cohérent. Je veux dire, ils ont une technologie, ils ont trouvé un brevet, ils se sont dit, voilà, ça, ça marche, mais maintenant, ils vont pas se faire chier à faire un truc différent pour truc, pour chaque écouteur. Vous allez me dire, oui, mais les autres marques, oui, mais Shox le fait, mais ils les vendent à partir de 150 balles, quoi. Voilà, c'est ça. On a Ailu la semaine prochaine qui va arriver, avec un casque assez différent, une autre technologie, mais c'est vite 99€, c'est pas 42€. Voilà. L'innovation de la technologie, bah, il faut la payer un petit peu. Pas de leakage, si tu veux, donc en Bluetooth mode, une fois pour lecture, pause, appuyer longtemps, switch le son, c'est 3 fois, après c'est 2 fois, après c'est 4 fois, franchement, il n'y a qu'un bouton, il faut tout faire. Toggle mode, voilà, pour cliquer le headset, et activer le voice, voilà, donc ça c'est pour activer Google ou Siri, en fonction de ton téléphone. Bon, la même chose pour le MP3, le problème, alors un des autres problèmes, c'est qu'il n'y a rien pour régler le volume du son, il faudra obligatoirement passer par le téléphone. Donc en MP3, ça me paraît voilà, ça me paraît pas évident. Si, voilà, increase the volume, double tap pour augmenter et tout. Bon, le problème c'est que le son est pas fort du tout, hein. C'est encore une fois à cause de la vibration osseuse, bah ça vibre autant que ça peut. On peut pas avoir beaucoup de puissance. Si mettez beaucoup de puissance, t'auras le crâne qui va rentrer en vibration avec les écouteurs et tout. Voilà, ça risque d'être un petit peu le carnage. Voilà. Bon, bah, moi, en fait, quand le vendeur me les a proposés, je dis, ouais, moi, envoyez-moi tout. Voilà, X3, X3 Pro, X4 et X5. Et c'est vrai que j'avais pas regardé un peu la nuance du détail, du machin. Alors, quand on regarde les commentaires, c'est élogieux, hein. 5 étoiles, tout le monde trouve ça génial. Alors, le problème, c'est que si vous n'avez pas de point de référence au niveau des casques à induction, bah, vous dites, bah, c'est comme ça, et on peut pas avoir beaucoup mieux. Alors, oui, on peut avoir beaucoup mieux, mais pour beaucoup plus cher, malheureusement. Et après, mieux, c'est 100 balles. Chez Ailu, on verra ça la semaine prochaine, puisque là, ils n'ont pas de stock sur Amazon. Vous aurez la review sur GL Review, parce qu'elle est prête. On attend juste qu'ils aient du stock pour la mettre en ligne. Et on verra ça chez Aftershock, avec le... Merde, ils en ont deux. Ils ont le Waterproof, le Swim et le Open Run. Voilà. On a déjà testé le Open Run Pro, on va tester le Open Run et le Swim, qui est la même chose, mais chez Shox, avec, on a vu dans les dernières générations, surtout le Open Run Pro, ils ont corrigé
tous les petits défauts qu'on peut avoir sur ces casques, c'est-à-dire bah, le manque de basse, le manque d'aigu, et voilà, un son qui est relativement aléatoire en fonction de là où tu le positionnes. Bon, après, il est clair que pour faire du sport, pour écouter de la musique comme ça quand tu fais du sport, c'est pas mal. Si tu fais du vélo, encore une fois, aussi. Le truc bien, c'est que ça laisse les oreilles ouvertes, ça veut dire que tu entendras ce qui se passe. Soit tu entendras l'eau et les dauphins, voilà, si tu veux nager dans l'eau. Et soit tu pourras entendre, par exemple, ton GPS, tourner à gauche, tourner à droite. Soit tu peux être en mode athlétisme, et dans ce cas, tu as un coach qui est à distance, et lui, t'envoie pas de musique, mais sur ton téléphone, comme ça, un peu en mode talkie-walkie, il te dit, voilà, là, voilà, fais plutôt comme ça, corrige ça, et tout. Ça permet vraiment d'avoir plusieurs possibilités, mais encore une fois, on est sur du sport, et on est sur de la musique qui accompagne le sport, et non pas sur un casque haute fidélité audio. Voilà. Après, 42,42€, il est pas cher, il est en promo. Vous pouvez le commander sans la boîte, ce qui permet de sauver un peu la planète et de pas payer pour une boîte que vous allez foutre à la poubelle ou foutre dans un placard. Ce qui était un peu mon cas, et on préférait m'en envoyer plus, exactement, me l'envoyer dans un petit sac et tout. Bah, ça a du sens. Pourquoi payer un truc qui coûte plus de transport, plus de carbone, plus de machin et tout, alors que ça va finir à la poubelle ou, voilà, ou à la poubelle. Ou dans un placard qui, dans tous les cas, ça finira à la poubelle. Vous pouvez le commander, il y a un pack et tout avec un petit sac gratuit qui est 1€ plus cher. Ils sont comme ça. Voilà. T'as la boîte, t'as la boîte et t'as un petit sac gratuit qui t'est facturé un peu. Voilà, 1,60€ par exemple, mais gratuit. Non, gift c'est un cadeau, hein. Enfin, un cadeau à 1€. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce casque par conduction osseuse. Est-ce que tu es un peu déçu parce que tu pensais vraiment que le X5 allait être différent? Oui, il est complètement différent puisqu'il est IPX8 et il a de la mémoire intégrée et il a un bouton One Touch. Après, est-ce que le son est mieux? Malheureusement, non, pas mieux que les autres. Donc, d'un coup, si c'est vraiment un truc du son et tout ça, ça t'intéresse pas, autant partir sur le moins cher, le X3 Pro, parce que le X3 était pas différent, le X3 Pro. Prochaine vidéo, ça sera un top 4 où je vous présenterai les 4 et je vous dirai un petit peu les points positifs et négatifs de chaque écouteur. Tu mets un commentaire de cette vidéo, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire, bien évidemment. Tu peux mettre également un petit pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, un petit pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo, t'as aimé ne pas aimer la vidéo. Bah après, c'est toi qui vois. Tu peux mettre un pouce en l'air, un pouce en bas. T'as pas aimé la vidéo aussi. Tu mets tout ça en commentaire. J'ai tous les commentaires. J'essaie de vous faire un top machin pour la fin de la... Alors là, ça va tomber cette semaine. Je vous mettrai la semaine prochaine. Parce qu'en fait, du coup, j'ai 4 chaînes YouTube et j'essaie de mettre au moins une vidéo par jour répartie sur les 4 chaînes. Et je pense qu'on est bien au niveau du challenge. On est bien sur 20-25 ce mois-ci sans problème. Donc, tu trouves les liens dans la description. Je vous rappelle, vous pouvez devenir tipeur. Tous les tipeurs reçoivent mes vidéos 24 heures avant tout le monde. Ça permet de soutenir l'aventure et de faire des produits un peu comme ça, voilà, qu'on nous envoie, on gagne rien, parce que de toute façon, vous n'allez pas l'acheter, il est nul. Non, vous pouvez l'acheter quand même. Voilà, vous savez un peu ce que vous achetez. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. C'est à tous une bonne journée. Le vendeur va être content. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et j'ai un rendez-vous demain sur une des 4 chaînes. Les liens sont dans la description. Bye bye.